4 ans. Dans l'année 21XX, tous les Mavericks ont été neutralisés. Merci, grâce aux efforts d'un réploïde scientifique nommé le Docteur Doppler. Utilisant son computer neurologique, il fut capable de supprimer toute pensée pas bien dans les Reploids et les a aidés à ne pas devenir comme Guts. Beaucoup des plus avancés Reploids se sont regroupés auprès de leur mentor et ont fondé la ville de Dopper, une utopie communicative parfaite. Avec le Docteur Doppler les guidant, le monde semblait entrer dans un Golden Axe. Après quelques mois, les Mavericks qui étaient supposés avoir été neutralisés par le computer neurologique sont soudainement apparus et ont commencé à rôter. Dans le quartier général des chasseurs de Maverick, toutes les intelligences indiquaient que le docteur Doppler était derrière cette invasion invasionneuse. Bientôt, l'appel pour X-Zero de détruire l'invasion Maverick et de ramener docteur Doppler devant justice. C'est qui justice ? Les chasseurs de Maverick X et Hero, enlevez vos patchs. Ou ça en fait 10, ils essaient d'arrêter de fumer, je pense. Wow. Quelques heures plus tard, le contact émergent a été donné au quartier général des Maverick chasseurs. C'était le quartier général des chasseurs de Maverick. Enfin, c'est. Nous sommes sous une attaque venant des forces de Doppler. Il en voit que juste des araignées qui volent. C'est bien ça. Toutes les unités, regroupez-vous à la base immédiatement et retournez le feu. Avec un tissu. C'est nul. Pardon. Mon pénis. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Alors, je me fous toujours sur le menu options parce que ce jeu a une fâcheuse quantité. Je viens de faire tomber un truc, c'est super. A une fâcheuse qualité, c'est-à-dire qu'il se reboot. Bien bonjour, bonsoir, chers amis télévisionnaires. C'est Ridjou, bonjour. Vous aurez remarqué, et puis de toute façon vous êtes sur ma chaîne, donc c'est normal que vous saviez qui c'est. Alors, faut bien comprendre une chose, c'est que bah moi je suis chaud de vous refaire Maverick Hunter X Mega Man X3 on the floor to be free. le mec qui essaie de combler un peu. Non. Donc ouais, je suis chaud de vous refaire Mega Man X3. Mega Man X3 qui est sorti en décembre 95, si je dis pas de la merde. Donc 95, c'est pas loin forcément de la fin de vie de la Super Nintendo, mais... c'est pas trop loin non plus de l'apparition de la PS1, donc ça a peu apparu, on va dire, sur la fin de la Super Nintendo. Vous verrez que mine de rien, ils ont fait quand même des putains d'effets. Bon, ils ont utilisé un léger mode 7 sur l'introduction. L'histoire coupe pas trois pattes à un canard, mais qu'est-ce qu'il est bon comme jeu. Ah, mais qu'est-ce qu'il est bon. Oh mon dieu. Les musiques, vous avez tout. Tout le jeu en lui-même est génial. Alors, contrairement à 2, où vous aviez un chipset audio particulièrement bizarre, en fait, on va dire. Celui du 3, en fait, on sent qu'ils ont essayé de revenir à plutôt un chipset audio rappelant celui du premier. Bon, certes, les détails n'ont pas vraiment changé, mais vous sentez qu'ils maîtrisent beaucoup plus la technologie, en fait. Ils ont essayé de... bon, certes, on se fait attaquer par des poutres qui volent. Prends ça, saloperie de trucs qui volent. Café. Nix, je vais éclairer devant les ennemis par là. Toi, tu vas devant et tu fais du deal avec son intérieur. Ok, on va faire du deal. Et donc ouais, donc on est reparti. Alors ouais, l'histoire grosso merdo, c'est que vous avez le centre des chasseurs de Maverick qui se fait dégommer le rectum.
Et bah en fait on est là pour récupérer notre centre de communication communicative. Je vais essayer de le faire en mode je me fais pas toucher, t'as vu je suis pro mais... Quoi, j'ai pris des dommages? Jamais! Jamais! Aïe! Bon et en fait ouais mine de rien, vous vous rendez compte que bah il y a encore une connerie, genre là c'est pas Sigma, c'est Doper. On parle de patch, c'est pour ça. Mac, t'as vu Ali McBeal? Mac, où est-ce que tu étais? Je jouais avec mes boules. Tu fais trop vite confiance, X. Je fais maintenant partie de l'armée de Doppler. Tu vas faire une addition parfaite à notre facture. Tu as montré la vraie destinée destinationnelle du Dreploid de race. C'est un peu du racisme, ça, s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez ça, c'est un peu raciste. Donc là, tu joues avec zéro, frère. Eh ouais, tu joues avec zéro. Alors, c'était, on va dire, un peu le fantasme de tout bon fan de Megaman. Je pense à bâtard. De jouer avec zéro. Mais zéro est pas tôt, un truc de fou. Il est lourd, en fait. Il fait des petits jumps. C'est il a tout dans le slip, mais rien dans le pantalon, quoi. Hop. Bon zizi, il grandit quand il te voit. Mon zizi, je vais te violer la queue. Regardez, là, la petite queue de cheval qui frémit comme ma bite. Viens là, toi. Et vilain. Bah ouais, on veut jouer avec des gros joujoux. Oui, on sauve X quand même. Est-ce que ça va? Non, c'est... Non, mais est-ce que ça va, X? Merci, Zéro. Je suis OK. Je vais faire des checks autour du quartier général. Non, c'est... Je vais faire des checks autour du quartier général encore. Soit sur mon cul, X. C'est parti, on va faire du slide. Oh, mais non, tu pars. Bon, ouais, donc voilà. Donc, vous voyez que le quartier général se fait attaquer. On repousse les forces ennemies à deux. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. On fait ça à deux. Ouais, parce qu'à deux, c'est toujours mieux. Ouais. Bon, premier boss, bon. Franchement, il coupe pas trois pattes un canard non plus. Il a juste beaucoup de vie. De mémoire, je vais à peine bouger. Si je dis pas de la merde. Là, il va me faire un petit coup. Même pas. Ça va, il est gentil. Voilà. La passion du boum boum. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui fait mal? Je me prends des boulets qui sont capables de dégommer un immeuble. Je t'achevais comme un prince, bâtard. Aïe. Et... Tiens, mange ma boule, salope. Ouais, donc vous voyez que c'était des Reploids qui sont devenus méchants alors qu'ils étaient gentils. Tout ça, voilà. Bah, on détruit encore plus la ville, oh là là. Eh, entre deux trous. On dirait que on a fait suer la plupart de nos ennemis. Par là. Je vais retourner et regarder le quartier général. Je vais retourner et faire des checks au quartier général. Appelle-moi, si t'as besoin. Je te vois plus tard, X. Plus tard. N'empêche, t'imagines, c'est des robots super développés, les mecs, ils sont super balèzes. Et là, t'as quoi? T'as un mec qui se pointe, il fait « Bonjour, je suis Nero !» Alors, vous voyez, les... comment on appelle ça, putain? Les Mavericks. Les boss, en fait. C'est les Mavericks... Bon, bref. Donc, vous avez... Vous, ça fait, ya. Vous avez 8 boss, comme d'habitude. Alors, je vais commencer par Monsieur Buffalo. Donc, il va avoir le pouvoir de glace. Le pouvoir de glace te permet de faire mal à 6... Horses, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Sewer Horses, un truc comme ça. Lui, il te permet de faire mal à Rhino, je sais plus trop quoi. Rhino Pharyngite, exactement. Rhino Pharyngite nous permettra de faire mal à Volt Catfish, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Volt Catfish nous permettra de faire Monsieur Kick Coup Coup. Monsieur Kick Coup Coup va nous permettre de faire mal à. Je ne me rappelle plus. C'est monsieur qui fait des radiations. Oh bref, ça doit être lui. Lui, il permet de tuer lui. En fait, Neon Tiger, vous allez voir, je vais vous montrer. Il est assez simple. Assez dur. Il est assez simple. Mais Neon Tiger, j'irai le faire après avoir obtenu l'arme de Rhino Pharyngite. Voilà.
Et fois, Monsieur Buffalo, c'est... Frozen Buffalo, un truc comme ça? Frost Buffalo? Je ne sais plus. Blizzard Buffalo. We get the D. Mouais. Meilleure musique du jeu, je vous en laisse un petit... Je vous laisse profiter. Ok, alors, donc ouais, comme je vous ai dit, l'OST est pas mal. Vous avez 2-3 petites nouveautés aussi dans le jeu, vous avez ces petits pods qui, pour l'instant, ne servent à rien, mais nous seront très utiles pour obtenir d'autres secrets, notamment secrets dissimulés dans le stage, et dans les autres stages d'ailleurs, et j'aimerais bien, merci, j'aimerais bien réussir mon jump, ce serait sympa, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, péter la gueule au plafond, ça a été un vilain plafond, ouais, vilain. Aïe, oui, ça fait moi mal, j'étais vilaine. Donc en soi, en fait, si vous voulez, les stages ne changent pas réellement. Contrairement aux autres Mega Man X, vous avez toujours la salle du mini-boss. Bon, on aura toujours des mini-boss assez récurrents. Bon, là ils viennent pas, parce que bah, je les ai pas encore débloqués. C'est pas bit et bit. Si, c'est bit et bit, merde, je me confonds. C'est pas genre le vieux, le gros et la souris. Le vieux, le gros, la souris. Pardon, moi ça me fait rire parce que c'est de la merde ce que je viens de dire. Ouais, je suis comme ça, je suis un peu... je pratique l'humour, j'aime beaucoup. Bon, le stage s'éclate aussi à pas mal rebondir. Enfin, pas rebondir, mais il glisse. Ça glisse, ça surfe même, j'ai envie de te dire. Ça va le bait? Vous voulez aussi que je fasse du popcorn? Et, comme dans tous les Mega Man X, vous avez toujours des upgrades. Là, en l'occurrence, il y a une extension... Enfin, un e-stock... Un e-tank, tout simplement. Les Earth Container, il y en a un que j'ai passé, mais comme je vous ai dit, j'ai besoin de certaines armes pour l'avoir. Bon, le Earth... Le e-stock, putain. Eh, hey, je vais y arriver, hein. Je suis pas fatigué, mais... Hein, je suis... Ah là là, hein, je suis me coucher à minuit 10 la dernière fois, c'était dur. Hein. Alors là, il faut faire un Leap of Faith, mais genre le The Leap of Faith of Pixel Underground. Genre... Du genre ça. Oui. Oh yeah. Et donc, tu obtiens un pouvoir très intéressant. Entre dans ma capsule X. Prends ses jambes et mets-les à ton cou. Ça augmentera ta mobilité dans les airs. Tu vas être capable de dash à gauche, à droite, et même en allant dans mon cul. Ok. Donc, avec l'extension de jambes, ça te permet d'aller vers le haut. Donc, en gros, de faire un jump... qui te permettra d'aller vraiment vers le haut. Donc c'est le dash en l'air en fait. Ça te permet de dasher, tout ça. Et on l'utilisera, enfin je l'utiliserai surtout pour ça. Voilà. Alors, faut savoir qu'en soi, c'est pas forcément très compliqué. La puissance en fait que vous mettez dans... Je vais y arriver. Je suis en train de, en même temps, roter, c'est pas mal. Ah non, pas de l'acide bouillante. Oh non. Ah non, c'est moche. Ah non, j'ai glissé, chef. Ah non. C'est vrai, en plus, j'ai glissé. Bon, ça va, c'est exactement là où je voulais aller. Pas loin. Bon, non, en fait, c'est pas du tout là. Mais c'est pas grave. Ça permet de remplir rien, en fait, parce que je l'ai pas encore fuck. J'ai fait de la merde. Très bonne première vidéo. On se met dans l'ambiance, on s'enjaille. Waouh, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, ouais. En fait, si vous voulez, ça va me permettre de pouvoir obtenir ceci. Alors... Vous avez aussi toujours le Liberty Jump, que j'arrive toujours aussi bien à maîtriser, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pour obtenir cette extension de... Enfin, ce e-stock, pardon. Ce qu'il faut faire... Faut se prendre des missiles dans la gueule, c'est vachement sympa. Non, normalement, tu fais ça, un truc comme ça... Non, bah non, je suis con, je suis en train de me compliquer la life pour rien. Hop, voilà, tout simplement. Cassez-vous avec vos missiles! Vous êtes pas beaux, vous êtes méchants! Cassez-vous, bande de salopes! Salope! Salope! Mais ça va, vous voulez aussi que je me fasse tatouer votre cul sur le nom? Votre nom sur le cul plutôt? Ouais, filmer une clope, j'aime bien fumer une clope après m'avoir fait violer. Salope. Je n'ai pas de vie pour tuer le boss. Très bien! Très bien! Alors, Blizzard Buffalo a un petit bug que je vais vous montrer. Parce que j'ai pas vraiment le choix actuellement. Alors, Blizzard Buffalo, en fait, si vous voulez, normalement, c'est pas que vous êtes pas censé avoir l'extension pour les jambes. Mais si vous l'avez, c'est tant mieux. Je vais vous montrer. Hop, quand il te regarde, tu te dashes en l'air, et voilà.
Je sais pas, je pense qu'il est un peu boudeur, il aime pas... Il fait « Mon Dieu, mais où est-il? Je ne vois que du feu! Il n'est pas là! Mon Dieu !» C'est... facile à faire, mais en soi, en fait, on relâche vite son attention. C'est... Franchement, c'est l'un des seuls conseils que je peux vous donner. C'est rester concentré éventuellement, parce qu'au bout d'un moment, vous relâchez votre attention, et c'est franchement malgré vous, en fait. Vous avez beau être concentré dans le jeu, au bout d'un moment, tu perds, t'es en mode... Ah ouais, c'est bon, je peux le tuer. Le mec, il te fout une claque, t'as mal. Tu as mal, frère. Tu souffres. tu souffres le martyr. Pénis. Ah ! Alors, ils ont fait de la 3D chelou. Je vous préviens. Voilà. Ouais, on a habillé version Chippendales. Et on obtient le God Michel de froid. ouais. C'est... You get... The frozen dick. Frost shield. Je sais pas en quoi c'est un bouclier. Mais frost shield quand même. Ouais. Na-na. Ok. Je sais pas combien de temps je suis de vidéo. Je sais pas si je fais monde par monde. Bon, j'en ai fait deux en l'occurrence. J'ai fait l'introduction, j'ai fait le monde de Chill Buffalo. Enfin, de Blizzard Buffalo. Je suis à 16 minutes. Ouais, je vais m'arrêter là pour une première vidéo. Prochaine vidéo, on ira voir Sewer Horse. Et on aura certainement d'autres petits invités. Allez, des bisous. Portez-vous bien. Et puis, bah, tout plein de bisous. Ciao, ciao, les enfants. Ciao, ciao.